Bonjour tout le monde. Je finis de ranger. Et je vous laisse vous connecter, vous installer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine. Et aujourd'hui, on va faire un Hatha Flow un petit peu liquide. Vous allez voir. Vous allez avoir besoin de deux blocs aujourd'hui. Seulement. Et vous pouvez les placer à l'avant de votre tapis. De part et d'autre. Je vous ai mis la playlist du jour dans le petit commentaire qui présente le live. Vous avez le lien Spotify. Ça s'appelle Hatha Flow, Follow the River. The Rivers. J'ai mis un S. Et ça commence par Apana. Hein, donc, assurez-vous que vous n'avez pas mis le mode shuffle pour pas que ça parte, que ça lise la playlist un peu à l'envers. Aujourd'hui, on va commencer en posture de l'enfant avec coucou Tiffaine, avec les genoux écartés. Je vous montre pour ceux qui veulent s'installer en attendant. Les gros orteils en contact, les genoux écartés, largeur du tapis, un peu plus, un peu moins. Vous voyez ce que vous avez envie, on va y rester un tout petit peu. Donc prenez quelque chose qui est confortable pour vous. Ne venez pas chercher l'ouverture la plus grande, plutôt quelque chose de confort pour le moment. Fesses sur talons, les bras vers l'avant, le front sur le sol ou le front sur un bloc si le front est très loin du sol. Ça peut être un coussin. Si on a mal au coup de pied, si on a les coups de pied sensibles, ça peut être sur un coussin, les coups de pied et les genoux sur un coussin. Prenez le temps, vous avez encore 5 minutes. Ah, on me voit à la verticale, d'accord. Oui, c'est ça. Il me disait que j'avais, je ne pouvais pas le mettre. D'accord. Voilà, c'est mieux. De toute façon, on va rester bien vers l'avant. Donc, je vais le mettre comme ça. Très bien. Super, merci Tiffaine. Encore 3 petites minutes pour ceux qui viennent d'arriver. Ouais, c'est mieux. Pour ceux qui viennent d'arriver, 2 blocs. Et c'est tout. Que vous placez à l'avant du tapis, vous pouvez mettre la playlist, enfin préparer la playlist, on la mettra en même temps. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être vraiment un flow. D'accord? Je ne vais pas trop parler d'alignement, un petit peu quand même, toujours. Mais voilà, c'est vraiment un flow que vous allez faire. Une vraie méditation en mouvement. Bien sûr, il va y avoir des options. Vous allez là où vous pouvez, là où vous avez envie. N'hésitez pas à prendre une posture de l'enfant quand c'est trop intense pour vous ou d'aller un peu plus loin quand vous en voulez un peu plus. Soyez libre. Hein? L'eau, c'est ça, c'est la créativité. Donc, je vous montre des modèles, des schémas, mais ensuite, vous pouvez jouer avec.
On va commencer dans une petite minute. Avant de rentrer dans la première posture, enfin pour ceux qui sont dans la posture, on va juste mettre play à la playlist avant de commencer. Elle va nous accompagner pendant toute cette heure, peut-être une petite heure et quart. Comme d'habitude, je dépasse toujours un peu, donc si la fin, vous voulez couper, bien sûr couper, mais essayez de prendre un temps en Shavasana. Ok, 10h30, gong. Bing. Je répète une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver. Coucou déjà, je m'appelle Marine. Aujourd'hui, je vous donne un Hatha Flow sur l'élément eau. Aujourd'hui, on va se connecter un petit peu à cet élément. Voilà, je vous invite à vous placer sur votre tapis, à prendre deux blocs ou deux dictionnaires, à les mettre à l'avant du tapis pour ne pas venir les chercher durant la pratique. Restez concentrés. On va pouvoir mettre la playlist. On va le faire à 3, d'accord? Quand je dis 3, vous pouvez appuyer. À 3, 2, 1. En fait, à 0, vous pouvez appuyer. Désolée. C'est parti. Bien. Et donc, on va s'installer dans notre première posture. Balasana, les genoux écartés, largeur du tapis, un peu plus, un peu moins. Les fessiers connectés aux talons, les gros orteils en contact. Lentement, je descends vers le sol. Je dépose mon front, je dépose mes coudes, je dépose mes paumes de main. Je dépose mes pensées. Toutes ces choses qui me préoccupent au quotidien. Je prends un temps ici. Je laisse mes yeux se fermer, je laisse ma respiration vagabonder dans mon ventre. Peut-être dans mes côtes, un peu partout, j'explore avec mon souffle. Et aujourd'hui, à travers ce flot de mouvements, on va travailler sur notre adaptabilité, notre capacité à accepter les changements, à ne pas s'accrocher aux événements, aux choses, à juste apprécier le flux de la vie, que ce soit le flux des mouvements dans notre pratique, le flux des émotions, des sensations, des pensées. Apprécier ces flux qui nous traversent sans nous identifier à ces flux. Et ici, d'abord, on va s'intéresser au flux de notre respiration. Ces inspires et ces expires qui se déplacent dans votre corps. On va laisser les inspires monter un peu plus haut, les côtes s'écartent, peut-être que les épaules se soulèvent, que les doigts grappillent vers l'avant. À l'expire, l'air redescend jusque dans le bassin, dans le nombril. Mon coccyx s'étire vers les talons, le nombril à l'intérieur. Trouvez ce mouvement. À l'inspire, fesses vers l'arrière, légère bascule du bassin, les doigts qui grappillent vers l'avant, le sommet du crâne qui s'étire. Une petite pression au niveau de vos deux aines. À l'expire, je rentre le nombril à l'intérieur, j'active le périnée légèrement. C'est tout petit, juste des petits mouvements comme ça.
À l'inspire, fesses qui pointent vers l'arrière et vers le ciel, sommet du crâne vers l'avant, étirez les flancs. À l'expire, je rentre le nombril, le bas du dos qui s'étire, qui s'arrondit un peu. Continuez ce mouvement, ce va-et-vient. Laissez la rivière du souffle vous parcourir et guidez le mouvement. C'est vraiment ce souffle qui vous bouge. Gardez les yeux fermés. L'inspire vous allonge, crée une courbe dans le dos. L'expire, légère arrondie du bas du dos. Menton vers poitrine, nombril à l'intérieur. On en fait encore deux ou trois. On se connecte un peu plus à l'élément eau, à pas en sanskrit. Prochaine inspire, on étire les bras vers l'avant et on va marcher les mains vers la gauche. Et on garde la fesse droite ancrée dans l'ischion droit. N'oubliez pas, je suis en miroir par rapport à vous. Soit les deux mains côte à côte, un étirement dans tout le flanc droit qui part de votre fessier jusqu'au bout des doigts. Le flanc gauche qui se rétrécit, le flanc droit qui prend plus d'espace. Si vous en voulez un peu plus, la main droite par-dessus la main gauche, à condition que la fesse droite reste ancrée dans les talons. J'inspire ici. J'expire, je relâche vers le sol, surtout l'aisselle droite. Et j'inspire, la main gauche continue son chemin vers la gauche, très très loin, sur la même ligne que la fesse gauche. Viens sur le bout des doigts, inspire, monte le bras droit contre l'oreille, spirale ton bras, ça veut dire pointe le petit doigt vers le sol. Garde le bras droit en cactus. Trouve de l'ouverture dans ton cœur, surtout à droite. Longue inspire, fesse droite toujours connectée dans les talons. Longue expire qui te ramène vers le sol, main droite qui retrouve la terre. Et je marche de l'autre côté. Prends le temps, c'est le début du cours. Les deux mains côte à côte, fesse gauche ancrée dans mon talon. Je respire bien fort dans ce poumon gauche. Je sens la vague du souffle qui se déplace dans ce flanc. Peut-être que ma main gauche vient se placer par-dessus ma main droite. Sur chaque expire, je relâche l'aisselle gauche vers le sol. Sur chaque inspire, mon dos se gonfle. Sur chaque expire, il se dégonfle, le nombril à l'intérieur. Et inspire, continue ton chemin avec la main droite vers la droite. Les bouts des doigts de la main qui presse dans le sol, sur la même ligne que la fesse. Inspire, bras gauche en cactus, qui monte. Laisse la poitrine s'ouvrir. Spirale ton bras. Tourne le petit doigt vers le sol. Au lieu de garder le pouce. Pomme de main, tournez vers mon visage. Longue, inspire ici, ouvre, ouvre, au lieu de pencher vers l'avant. Longue, expire. Encore, inspire, gonfle le flanc gauche. À l'expire, relâche, main gauche qui retrouve le sol avec contrôle. Les deux mains vers l'avant. Inspire, déroule le dos, les fesses sur les talons, les bras en cactus. Inspire, les bras qui s'ouvrent sur les côtés. À l'expire, les mains reviennent au centre du cœur en Anjali Mudra. Coordonner le mouvement et le souffle. Peut-être la respiration Ujjayi qui s'active ici, l'arrière de la gorge qui se serre très légèrement. Sur l'inspire, j'ouvre. Mon cœur se gonfle, le nombril à l'intérieur. À l'expire, les mains se recentrent, se retouchent au niveau de mon cœur. Peut-être les pouces contre le sternum.
Inspire, j'ouvre. Tout petit. Respire jusque dans le cœur, respiration complète ici. À l'expire, je commence à activer un peu plus les bandas, nombril à l'intérieur, le coccyx vers les talons, bas du dos qui s'arrondit. Inspire. On va faire ce mouvement pendant toute la pratique. Donc, vraiment, travailler ça. Expire, main au centre du cœur. Inspire, j'ouvre. Expire les mains au centre du cœur. Et inspire les bras vers le ciel. Garde le nombril à l'intérieur, fesses vers l'arrière, bascule du bassin, ouvre le cœur. Sers-toi des mouvements pour retirer ta respiration. À l'expire, les paumes de main vers le sol, fais redescendre. Nombril à l'intérieur, coccyx vers les talons, périnée engagée. Inspire. Bascule du bassin, ischion vers l'arrière, cœur vers le ciel, bras qui s'étirent et les flancs également. Expire, redescends, serre le nombril à l'intérieur, coccyx vers les talons, comme si tu serrais tes deux fesses l'une vers l'autre. Et inspire, ouvre, étire vers le ciel, suis avec le regard si tu veux. Expire, redescends. Une dernière, inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire, resserre les deux genoux. Les dos de tes mains vont venir ensemble. On va le faire plusieurs fois ce mouvement. Comme si tu plongeais. Inspire, les bouts des doigts qui plongent vers les genoux, qui frôlent le sol, puis qui remontent vers le ciel. Expire, cactus. Cactus tes bras, les coudes vers les hanches. Les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Inspire. Les dos des mains ensemble et je plonge dans ma pratique, dans mes sensations, dans ma respiration. Expire. Les bras en cactus. Je ramène les coudes vers mes hanches, vers mes lombaires presque. Et inspire une dernière plonge. Dos des mains ensemble. Suis avec ton crâne. Remonte. Expire, bras en cactus, les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Bien, et inspire, les bras vers l'avant, décolle les fesses des talons. Bien, aspire le coccyx vers le creux de tes genoux. Donc, resserre les fessiers, nombril à l'intérieur, périnée engagée, étire les bras vers l'avant. On va chercher le plus loin possible. Et inspire, dos rond, viens dans ton quatre pattes. Le dos est droit, les épaules juste derrière les poignets, les doigts étirés. Retourne les orteils, sens ton centre qui s'active un peu plus. Dos droit, nombril engagé. Et ça va être tout petit, suivez-moi. On commence par le bas du dos. Les fesses vers l'arrière, légère bascule du bassin, vers l'arrière et vers le ciel. Juste ça. À l'expire, j'aspire le nombril. Je serre les fessiers vers le creux de mes genoux. Tout petit, juste en bas. Inspire. Regarde vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Petite bascule du bassin. Expire. J'aspire les fessiers. Je m'arrête là. La respiration est abdominale, c'est-à-dire dans le ventre. Ne monte pas plus haut. Prenez le temps de comprendre ce qui se passe. Observez, peut-être les yeux fermés. Et on va continuer. La vague va se déployer. La rivière devient plus forte. Bien. Et on inspire. On regarde vers l'avant, les épaules loin des oreilles, les fesses vers l'arrière et vers le ciel, bascule du bassin. Je continue. C'est le milieu du dos. Donc je relâche le ventre. Creuse le milieu du dos, continue à étirer le sommet du crâne vers l'avant. À l'expire, nombril à l'intérieur, c'est toujours le milieu. Et j'arrondis le bas du dos et le milieu. Et inspire, vague, fesses vers l'arrière, bascule du bassin, je relâche le ventre. Je m'arrête ici. Expire, je serre les côtes à l'intérieur, les côtes flottantes ici. Je les aspire,
J'aspire le nombril, coccyx, vers le creux de mes genoux. Continuez sur ces deux niveaux, le ventre, les côtes. Trouvez de plus en plus de mobilité. À l'inspire, laissez vos fessiers s'ouvrir vers l'arrière. À l'expire, resserrez au centre. Et on continue de faire monter la marée. On inspire, on creuse. Cette fois-ci, plie les coudes, bout des doigts, ventouse et tracte tes mains vers tes genoux vers tes mains. Sens tout qui s'active ici. Les tibias énergétiquement connectés l'un à l'autre. Sommet du crâne vers l'avant. Fesses vers l'arrière, à l'expire, ça part toujours du bas du dos. Le nombril vient à l'intérieur, pour ça je resserre les deux fesses l'une contre l'autre. J'arrondis progressivement, rentre les côtes flottantes à l'intérieur et viens presser dans tes mains au maximum le menton vers la poitrine, peut-être monte sur le bout des doigts. Les épaules restent derrière les poignets, les fessiers derrière les genoux. Inspire, si tu as besoin de plus d'espace, tu peux avancer tes mains. Inspire. La vague qui part du bas du dos. Laisse les fesses monter vers le ciel et vers l'arrière. Bascule du bassin qui remonte. Bien, je relâche le ventre, je plie les coudes, tracte les mains vers les genoux pour étirer le sommet du crâne vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Expire le contraire. Serre les fessiers, rentre le nombril à l'intérieur et arrondis. Laisse-toi porter par ce mouvement. Montre haut sur le bout des doigts. Resserre tout l'avant du corps pour trouver plus d'espace à l'arrière. Colle la peau du ventre contre la peau du dos et continue avec ton souffle cette fois-ci. Inspire, laisse le dos se creuser progressivement jusqu'en haut. Épaules loin des oreilles, nuque longue. À l'expire, toujours à partir du bas du dos, j'aspire les fessiers. Je magnétise les tibias, les cuisses. J'aspire le nombril, j'arrondis. On en fait encore deux ou trois. Fermez les yeux. Laissez votre respiration vous bouger. Sentez tout ce qui se passe. Tous les petits crac-crac dans votre dos, les petits blocages. Acceptez, ne vous attardez pas. Laissez juste les choses filer. Comme un poisson dans l'eau. Bien, les deux dernières, longue, inspire, longue, expire et inspire, creuse le dos. À l'expire, les fesses vers les talons, balasana, mais on, balasana active. Donc, on laisse les fesses décoller des genoux, inspire, presse dans les orteils, les bras en cactus. Aspire les fesses vers les talons, aspire le nombril, une vague qui te mène à la verticale. La poitrine juste au-dessus des genoux, les hanches alignées. Inspire ici, fais des petits cercles avec les poignets. Monte les mains vers le ciel. Expire, les mains sur le côté. Continue les petits cercles avec les poignets. Reviens au centre, inspire, les cercles dans l'autre sens. Monte vers le ciel. Expire, les mains sur les côtés. On va accélérer un tout petit peu. Inspire, les mains derrière les fessiers. Presse les mains dans le bas du dos au niveau du sacrum, les doigts tournés vers le ciel, les coudes magnétisés l'un vers l'autre. Inspire ici, jusque dans le cœur, les fesses toujours aspirées vers les talons. Laisse l'air monter jusque dans la poitrine. À l'expire, garde ton dos soutenu, garde les fesses creusées, fesses vers les talons. Je viens me rasseoir ou presque. Inspire, nombril à l'intérieur, aspire toujours le coccyx. Vers le creux de tes genoux, étire les bras vers l'avant, lentement les mains sur le sol. Inspire, arrondis le dos, viens dans ton quatre pattes. À l'expire, cette fois-ci, creuse le dos, mais tracte-toi dans ton balasana. Des vagues, mais un peu plus dynamiques. Inspire, nombril à l'intérieur, menton vers poitrine, je viens vers l'avant, les épaules dépassent les poignets. Chauffez ces poignets ici. À l'expire, les fesses vers les talons. Une courbe dans le dos, encore, inspire, tracte-toi vers l'avant, les genoux magnétisés aux mains, les mains magnétisées aux genoux, nombril engagé, à l'expire, relâche le ventre, bascule du bassin, tes fesses qui te mènent vers les talons, inspire vers l'avant,
Viens, cette fois-ci, amener les épaules au-dessus des poignets. Expire, place le pied droit sur le côté droit, donc coup de pied à plat dans le sol. Inspire, presse dans la main droite, décolle la main gauche, monte la main gauche vers le ciel, suis du regard. Tout le pied gauche à plat dans le sol. L'arête externe du pied gauche qui presse dans la terre, inspire ici, elle expire. Le bras gauche contre l'oreille, spirale le bras, le petit doigt vers le sol. Longue, inspire dans ce flanc gauche. À l'expire, la main gauche revient sur le sol. Je ramène les orteils du pied droit dans l'axe. Inspire, creuse le dos. À l'expire, c'est l'autre côté. Amène les orteils du pied gauche sur le côté gauche. Puis, presse le coup de pied. C'est plus facile pour l'équilibre. Inspire, tout le poids dans la main gauche. Jambe droite qui s'étire, main droite vers le ciel. Planche latérale, mais soutenue. Pour l'instant, on commence tout petit. Le pied droit bien à plat dans le sol. Presse le bord externe. Inspire ici. Expire. Ton bras vers l'oreille. Spirale le bras. Petit doigt vers le sol. Presse dans la main gauche. Crée une courbe dans ce flanc droit. Inspire. À l'expire, main droite qui retrouve la terre. Inspire. Les orteils dans l'axe. Creuse le dos. À l'expire, les fesses vers les talons. Et inspire vers l'avant, les épaules dépassent les poignets. Cette fois-ci, expire, poitrine, menton sur le sol, les coudes magnétisés à mes côtes. Inspire, glisse sur le ventre. Presse les coups de pied dans le sol, le pubis active les jambes. Entrelace les 10 doigts au niveau de ton sacrum, l'os plat que tu as en bas du dos. Plie les coudes et inspire, roule les omoplates l'une vers l'autre. Puis tend les bras, les poings loin des fesses, les jambes actives. Longue inspire, jusque dans le cœur. Longue expire. Menton légèrement vers poitrine. Encore deux. La vague de votre souffle qui vous aide à ouvrir la poitrine. Encore, inspire. À l'expire, relâche, garde la poitrine flottante. Les mains à côté de la poitrine, retourne les orteils. Inspire, repousse le sol et ramène les fesses vers les talons. Inspire, arrondis le dos, viens dans ton quatre pattes avec le dos rond. À l'expire, creuse le dos. Ramène les fesses vers les talons et cette fois-ci, presse très fort dans tes mains, comme si tu voulais repousser le tapis vers l'avant. Cette force-là va te permettre de décoller les genoux. Et on vient trouver notre premier chien tête en bas, on pédale ici. Ramène du mouvement, retrouve la respiration Ujjayi peut-être, cette respiration de l'océan. Qui peut être toute douce ou un peu plus puissante si les pensées viennent un petit peu trop vous harceler. Préférez la mélodie de votre souffle que la mélodie de vos pensées. Donc revenez à votre souffle quand vous n'arrivez pas à vous reconnecter. Bien, on pédale encore un tout petit peu ici. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Et on inspire, on va plier le genou gauche et monter la jambe droite vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Pliez bien le genou gauche comme pour prendre la force dans cette jambe gauche, l'énergie. Presse très fort dans les mains, tire la jambe droite vers l'arrière. À l'expire, je ramène le genou vers le front, j'arrondis le dos. Et inspire, plie le genou gauche et tire la jambe droite vers l'arrière, loin. Expire, tend la jambe gauche, ramène le genou vers le front. Inspire, jambe droite vers l'arrière, plie genou gauche. Expire, le genou vers le front. Délicatement, le pied entre les mains. Genou gauche dans la terre. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, les bras en cactus, comme tout à l'heure, les omoplates qui se rapprochent. Et inspire, dos des mains, l'une contre l'autre, on plonge à l'intérieur de la jambe droite jusque dans le sol. Et on remonte. Expire, les bras en cactus magnétisent les deux cuisses. Et inspire, plonge, laisse ton bassin descendre vers le sol, va chercher loin. Expire, magnétise les deux cuisses et ouvre le cœur, bras en cactus, les coudes vers les hanches. Encore, inspire, plonge. Remonte, expire, magnétise les deux cuisses et cactus. Et cette fois-ci, garde le cactus ici.
Le cactus avec les bras, je veux dire. Et on va tendre la jambe droite, flex le pied droit. Garde, genou gauche, talon droit magnétisé. La jambe droite peut être légèrement pliée. Ce qu'on veut, c'est étirer le cœur vers l'avant. Longue, inspire ici. À l'expire, les mains sur le sol. Inspire, vague. Bas du dos, milieu du dos gonfle. Expire, allonge-toi sur la jambe. Encore, inspire. Expire. Une dernière, inspire. Orteil du pied droit bien tourné vers le ciel. Faites attention à votre alignement. Expire, je m'allonge. Et inspire, je replie le genou droit. Je place le pied droit à vers l'extérieur de mon tapis à droite. Les orteils tournés vers l'extérieur et inspire. Presse dans le genou, laisse la hanche s'ouvrir. Expire, referme. Inspire. Ouvre les plis cachés. Viens chercher ce qui se cache ici, dans tes aines. Expire, referme. Une dernière, inspire. Reste sur les bouts des doigts de la main gauche. Trouve de la hauteur. Expire, referme. Inspire les deux mains autour du pied droit. Retourne les orteils du pied gauche. Décolle ce genou gauche et glisse le pied droit vers le pied gauche. Inspire. Plie les deux genoux et ancre tes talons vers la droite. Bien, plie bien le genou droit, presse dans les mains, dans les deux mains et fais monter la fesse gauche vers le ciel. Trouve un étirement dans ce plan gauche. Tends la jambe gauche si tu peux. Longue, inspire. Et longue, expire. Et inspire, bout des orteils, je reviens dans mon chien tête en bas ou ma planche, quelque chose comme ça. Elle expire les deux talons de l'autre côté. Je garde les mains connectées, cette fois-ci, fesse droite vers le ciel. Explorez ces endroits cachés. Hein. Servez-vous de la fluidité ici. Adaptez-vous. Inspire, monte haut sur les orteils de ton chien tête en haut. Pardon, de ton chien tête en bas, tu viens dans ta planche. Bien, à l'expire, les genoux, la poitrine sur le sol. Inspire, glisse sur le ventre. Presse dans les coups de pied, comme tout à l'heure. Laisse les genoux se décoller. Décolle les mains, bébé cobra. Les coudes, magnétisés l'un vers l'autre. Les omoplates qui se rapprochent, reste. Respire jusque dans ton cœur. Longue, inspire. À l'expire, les mains dans le sol, je retourne les orteils, je rentre le ventre, inspire, fesses vers talons. Expire et inspire, quatre pattes, dos rond, épaules qui dépassent les poignets. Expire, fesses vers l'arrière, ma vague, je presse dans les mains jusqu'à décoller mes genoux et chien tête en bas, je reviens au début. Et inspire directement, jambe gauche vers le ciel. Plie le genou droit, prends de l'élan, presse dans les mains, étire la jambe gauche le plus loin possible vers le ciel. À l'expire, le genou vers le front avec délicatesse, fluidité, comme si vous flottiez. Inspire, plie genou droit, jambe gauche vers l'arrière, ventre contre cuisse peut-être. Expire, genou vers le front. Arrondi, presse dans les mains, inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, le genou vers le front, crée de l'espace entre tes mains et ton front en pressant dans les mains. Dépose le pied gauche délicatement à côté du pouce gauche, genou droit sur le sol. Inspire, nombril à l'intérieur, coccyx vers les talons, monte les bras vers le ciel. Expire, cactus. Et inspire, dos des mains ensemble, plonge à l'intérieur de ta jambe gauche, va chercher loin. Relâche le bassin. Quand tu remontes, inspire, magnétise tes deux cuisses, resserre ton bassin au carré. Expire, les bras en cactus. Encore deux fois. Va chercher loin. Cette fois-ci, je garde en cactus la dernière. Magnétise genou droit, talon gauche. Étire la jambe gauche, Alpha Numan. Garde le cœur ouvert, n'arrondis pas le dos, au contraire, fesse de Beyoncé vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, cœur qui te guide dans ta flexion avant. Les mains sur le sol, inspire, vague, c'est juste ta respiration ici qui bouge ton dos. Respire bien fort, sacrum, milieu du dos, expire, je m'allonge sur la jambe, j'explore les sensations même intenses.
J'accepte tout ce qui vient. Inspire. Expire sur ma jambe. Et inspire, replie le genou gauche, main droite à l'extérieur du tapis, reste sur le bout des doigts. Pied gauche également vers l'extérieur du tapis, vers la gauche. Les orteils tournés vers l'extérieur. Inspire, presse dans le genou, ouvre. Laisse le cœur s'ouvrir un petit peu si tu veux. Regarde vers le ciel. Expire, referme. Inspire, main gauche qui presse dans le genou à l'intérieur, ouvre. Sens les petits craquements dans ta hanche. Expire, referme. Une dernière, inspire. Expire, referme. Inspire, pied gauche qui revient dans son axe. Les deux mains autour du pied, inspire. Ici, presse dans les mains, expire, décolle le genou. Inspire, glisse pied gauche vers pied droit sans un bruit. Inspire, ancre les deux talons vers la gauche d'abord, cette fois-ci. Bien, plie les deux genoux, fesses vers l'arrière, les deux mains ancrées dans le sol. Cette fois-ci, décolle la main droite, toujours en poussant la fesse droite vers le ciel. Trouve un étirement dans ce flanc droit. Reste là. Bien, presse dans le pied gauche, tends cette jambe gauche, sens le pied droit qui devient plus léger. Puis lentement, main droite revient sur le sol, autre côté. Deux talons de l'autre côté. Et inspire. Décolle la main gauche, toujours en poussant les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Fesses de Beyoncé, décale le bassin. Et inspire ici. À l'expire, tends la jambe droite juste pour laisser le pied gauche se soulever tout petit. Puis replie les deux genoux, deux mains sur le sol. Inspire, serre-toi du mouvement, une vague. Arrondis le dos, viens dans ta planche. À l'expire, genoux, poitrine, menton sur le sol, l'un après l'autre, sans un bruit. Fesses décollées. Inspire, glisse sur le ventre, active les coups de pied de suite. Pubis dans la terre, cobra, coude. Magnétisé vers tes côtes. Ouvre le cœur. Cherche à tirer le sommet du crâne le plus loin possible vers l'avant. Longue inspire, les orteils vers l'arrière. Longue expire, on retourne les orteils, on serre le nombril à l'intérieur, presse dans les mains. Une vague qui te ramène dans ton balasana. Inspire vers l'avant, arrondis le dos. Expire vers l'arrière. Presse dans les mains, décolle les genoux, chien tête en bas. Bien, c'est presque la même chose. Continuez, soyez juste dans votre flow à vous. Inspire, jambe droite vers le ciel, plie genou gauche. Expire, genou vers le front. Encore deux fois, inspire, plie genou gauche, jambe droite vers l'arrière et tire les flancs. Expire, genou vers le front. Inspire, fais flotter la jambe droite. Expire, le genou vers le front arrondi au maximum sans décoller la main droite peut-être. Pied droit entre les mains. Cette fois-ci, pas de genoux sur le sol. Magnétise les deux cuisses. Les bras sont ballants, la tête lourde. Inspire, remonte. Bras vers le ciel. Expire, cactus. Inspire, dos des mains ensemble. Vous savez ce qui vous attend, vos trois mouvements. Ah ah, c'est un petit peu plus dur. Je plie bien le genou droit. Ici, je vais chercher vers le sol, puis vers le ciel. Cactus. À l'expire. Inspire. Remonte vers le ciel. À l'expire, cactus. Ton cœur qui s'ouvre encore. Inspire, plonge loin. Explore ton corps. Explore tes émotions ici. Expire, cactus. Et inspire, étire tes bras sur les côtés. Étire la jambe droite. À l'expire, amène les mains autour du pied. Et inspire, plie le genou droit. Presse. La main droite à l'intérieur du genou, les orteils tournés vers l'extérieur. Déplace le pied si tu as besoin vers l'extérieur. Et encore la même chose. Inspire, j'ouvre. Expire, je ramène le genou dans son axe. Je resserre les deux cuisses l'une vers l'autre. Inspire, j'ouvre, relâche le bassin. Expire, referme. Dernière, inspire, ouvre. Expire, referme. Le pied droit revient dans son axe. Tends les deux jambes, triangle, pas triangle, pyramide, pardon.
monter très haut sur les orteils du pied gauche, étirer le sommet du crâne vers l'avant, inspire une vague qui étire la colonne, pousse la fesse droite vers l'arrière, à l'expire, relâche la vague sur ta jambe, presse dans les mains, très fort, arrondis le haut du dos, inspire, pied droit vers pied gauche, chien tête en bas. Inspire, ancre les deux talons vers la droite. Inspire, plie le genou droit et amène le bras gauche en cactus. Plie genou droit, décolle peut-être le pied droit. Tends la jambe gauche au maximum. Sens l'étirement dans le flanc gauche, longue inspire. À l'expire, pied droit à côté de pied gauche, l'autre côté, les deux talons vers la gauche. Inspire, plie les deux genoux, ancre les pieds d'abord. Hein. Vraiment, ramène les fesses vers les talons, puis sors les fesses vers l'arrière. Ça va t'aider à trouver ce mouvement. Et inspire, décolle, presse le pied droit dans le sol, peut-être décolle le pied gauche. Bras droit en cactus, spirale le bras. Trouve un étirement dans le flanc droit en pressant dans la main gauche et dans le pied droit. Inspire. À l'expire, lentement, pied gauche, revient vers pied droit, je replie les genoux, les deux mains sur le sol, inspire, une vague vers l'avant, expire, genou, poitrine, menton sur le sol, inspire, glisse, cobra, presse dans les coups de pied, dans le pubis, expire, amène les fesses vers les talons, retourne les orteils, balasana, inspire vers l'avant, arrondis le dos. Expire vers l'arrière, laisse les genoux se décoller, chien tête en bas. Bien, c'est l'autre côté maintenant. Prenez d'abord une inspire ici par le nez, une expire par la bouche. Et inspire, plie genou droit, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. À l'expire, le genou vient vers le front délicatement. Arrondis, serre, nombril à l'intérieur, inspire, plie genou droit, jambe gauche qui gravite vers le ciel, expire, genou vers le front, inspire, genou droit qui se plie, jambe gauche loin, expire, le genou vers le front, le pied entre les mains, inspire, le dos est rond, je me redresse dans mon high lunge, inspire, les mains vers le ciel, les poignets mobiles, légers. Pareil pour les coudes, à l'expire, cactus, ancre-toi dans la terre. Inspire, dos des mains ensemble et vos trois plongeons à l'intérieur de vos sensations et de vos hanches. Hein, là où résident toutes nos émotions, tous nos traumas. Donc c'est normal si vous n'aimez pas trop ce que je vous fais faire, acceptez. Et une dernière, inspire, pardon, non, étire les bras sur les côtés, étire les deux jambes. À l'expire, je descends sur la jambe gauche, je ramène les mains dans le sol. C'est là que je peux me servir de mes blocs. Bien. Inspire, étire le sommet du crâne vers l'avant. À l'expire, replie le genou gauche, déplace le pied gauche sur le côté gauche de ton tapis si tu as besoin. La main droite à plat dans le sol sur la même ligne que le pied gauche. Inspire. Presse le genou avec la main gauche, ouvre, relâche le bassin. Garde les orteils du pied droit engagés. Hein. Expire, referme. Resserre les deux cuisses. Inspire. Ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Ramène le pied gauche dans l'axe, les deux mains autour du pied gauche ou sur vos blocs. Inspire. Très haut sur les orteils du pied droit, les deux cuisses magnétisées, j'étire le sommet du crâne vers l'avant. À l'expire, je m'allonge sur la jambe, je presse les mains dans les blocs ou sur le tapis et glisse pied gauche vers pied droit, peut-être la jambe gauche tendue. Inspire, les deux talons vers la gauche. On ancre les pieds, on plie les genoux, les fesses vers les talons et vers l'arrière, fesses de Beyoncé. Cette fois-ci, décolle le pied gauche, ramène le genou vers le coude gauche. Bras droit vers le ciel. Puis lentement, pied gauche retrouve sa place derrière le pied droit. Inspire, tend la jambe gauche. Le pied droit se décolle. Peut-être le bras en cactus, ouvre. Inspire ici. À l'expire, dépose pied droit à côté du pied gauche.
Et on fait l'autre côté. Inspire les deux talons vers la droite. Je plie les genoux, fesses vers l'arrière. Inspire. Prends la force dans le pied gauche. Décolle le pied droit et le genou vers le coude droit. Main gauche vers le ciel. Expire, main gauche sur le sol, je ramène le pied droit dans la terre et inspire, presse dans le pied droit, décolle le pied gauche, ouvre. Essaye de vraiment rouler les omoplates l'une vers l'autre. Et inspire, main gauche à côté de main droite, les deux orteils dans, les deux pieds dans le sol, inspire, prends de la force, de l'énergie, déroule une vague. Dans ta planche, expire, genoux, poitrine, menton sur le sol. Inspire, glisse sur le ventre, cobra, presse dans les pieds, monte peut-être plus haut. Expire, rentre le nombril à l'intérieur, retourne les orteils, balasana. Inspire, c'est toujours la même chose, arrondis le dos. Expire, bascule du bassin, presse dans les mains, chien tête en bas. Bien, respirez ici, trois respirations. Longue inspire et longue expire. Bien, et on inspire des petits pas, comme des gouttes d'eau, pour revenir vers l'avant. Presse très fort dans les mains, monte très haut sur les orteils. Et garde, essaye de garder la pression dans tes mains, d'arrondir le dos, de repousser la terre, de rentrer le nombril à l'intérieur au fur et à mesure que tu reviens vers l'avant. Peut-être que tes orteils touchent les poignets. Et je ramène les deux pieds parallèles. Écarte la largeur de mes hanches, je plie les genoux. Trouve de la souplesse dans tes genoux. Inspire, presse dans les gros orteils, déroule le dos, le nombril à l'intérieur. Et inspire, garde les genoux pliés, monte les bras vers le ciel, souplesse. On ouvre la poitrine, à l'expire, je plie les genoux, je rentre le nombril à l'intérieur, je descends vers le sol. Encore, inspire une vague, dos rond, presse dans les gros orteils, monte les bras à la fin de l'inspire. Ouvre la poitrine, fesses vers l'arrière, expire, je descends. Il n'y a pas de mouvement parfait ici. Inspire, arrondi, presse dans les orteils. Serre les fessiers et ouvre le cœur. À l'expire, cette fois-ci, quand je descends, mes mains vont glisser à l'arrière de mes cuisses. Caresse. Jusqu'à mes talons. Et j'inspire une dernière fois. Je presse dans les gros orteils. Je monte les bras vers le ciel. En même temps que je monte, mon genou droit rejoint ma poitrine. J'entrelace les 10 doigts par-dessus le genou. Pose. Le genou. On inspire ici. On active les orteils. À l'expire, je relâche le genou, j'étire la jambe droite vers l'avant, bras vers le ciel. Inspire. À l'expire, la jambe droite vient vers l'arrière, je frôle le sol avec les orteils, les bras vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière, je vole, plie, genou gauche. Lentement, les bras vont s'ouvrir sur le côté en même temps que je dépose les orteils. Et inspire, genou droit sur le sol, monte les bras vers le ciel. À l'expire, cactus et directement, alpha numan. Tends la jambe gauche, les fesses vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Inspire, frôle le sol avec le bout des doigts, le dos est rond. Je décolle le genou droit, je monte vers le ciel. Expire, cactus, ancre-toi dans la terre. Et inspire, tends la jambe gauche, les deux mains autour du pied gauche. Inspire, presse dans les mains, décolle le talon gauche peut-être et inspire la jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel cette fois-ci. Plie le genou, laisse la hanche ouvrir, tes deux aisselles magnétisées vers la terre. Plie le genou droit si tu veux ouvrir un peu plus cette hanche. Inspire, expire, pied gauche à côté de pied droit. Inspire les deux talons vers la droite, presse dans la main droite. Décolle le pied droit et amène le genou vers le coude, puis étire la jambe droite sur le côté. Pose le pied, inspire, main gauche vers le ciel. Expire ici, inspire,
Expire, spirale ton bras, amène le bras en cactus. Inspire, plie les deux genoux. Et cette fois-ci, pied droit à côté de pied gauche. Inspire, tends la jambe droite, décolle le pied gauche. Monte, genou vers ciel. Presse dans la main droite. La main et le pied se repoussent l'un l'autre. Crée de l'espace, mon épaule n'est pas au-dessus du poignet. Inspire. À l'expire, dépose le pied gauche à côté du pied droit et c'est l'autre côté, on tourne. Inspire, je plie les deux genoux, sors les fesses. Prends la force dans la main gauche, décolle le pied gauche, genou, coude. Inspire, falling triangle, pied gauche dans le sol, bras droit vers le ciel. Inspire ici. Expire, spirale ton bras. Trouve un étirement dans le flanc encore. Inspire, décolle le pied gauche. Ramène pied gauche vers pied droit. Ancre le pied gauche. Vous avez compris, c'est toujours la même chose. Presse dans le pied gauche, décolle le pied droit. Monte le genou vers le ciel. Essaye toujours de venir vers l'arrière, de rouler les omoplates l'une vers l'autre. C'est presque comme si tu tombais dans ton white thing. Et lentement, pied droit, pied gauche. Les deux genoux vers, pardon, les deux fessiers vers les talons, inspire, vague, planche, expire, genoux, poitrine, menton sur le sol, inspire, glisse, cobra, peut-être plus haut, expire, retourne les orteils, garde le nombril engagé, les fesses vers les talons, inspire, une vague vers l'avant, dos rond, expire une vague vers l'arrière, chien tête en bas et pas d'arrêt comme un flux ininterrompu. Inspire, monte très haut sur les orteils et des petits pas pour te ramener vers l'avant du tapis. Ou si tu veux, tu peux jumper, flotter, nager vers l'avant. C'est pareil, tes deux pieds écartés, largeur de tes hanches. Inspire. Presse dans les gros orteils, déroule le dos, monte. Expire directement, les mains vont venir derrière les cuisses, caresse. Presse dans les talons en même temps. Étire un peu plus tes jambes, l'arrière, toute la chaîne arrière. Et inspire, plie dans les genoux, déroule, remonte vers le ciel. En même temps, presse dans le pied droit, ramène le genou gauche vers la poitrine. Entrelace les 10 doigts par-dessus le genou. Serre, inspire, active les orteils du pied gauche, demi-pointe, expire et inspire, jambes vers l'avant, les deux bras vers le ciel, expire, glisse les orteils vers le sol, les mains vers l'avant, vole, plie genou droit, inspire ici à l'expire, cactus, et tes bras vers l'arrière qui t'aident à déposer les orteils du pied droit le plus loin possible, genou qui atterrit sur le sol. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, cactus, en même temps la jambe droite qui se tend. C'est les mêmes mouvements mais enchaînés avec plus de flow. Inspire, caresse le tapis avec le bout de tes doigts, le dos est rond. Expire, décolle le genou gauche, monte les bras vers le ciel. Inspire, expire les bras en cactus et la jambe droite qui se tend, les ailes qui s'ouvrent. Inspire ici. Expire, je m'allonge sur la jambe. Je presse les mains autour du pied sur mes blocs si j'ai besoin. Servez-vous, montez très haut sur les orteils du pied gauche. Inspire, jambe droite vers l'arrière et vers le ciel, mon chien à trois pattes. Expire, plie le genou, laisse la hanche ouvrir. Respire toujours dans ses plis, observe. Plie genou gauche, garde les épaules alignées. Inspire. Expire, pied droit à côté de pied gauche. Et inspire, on roule les deux talons vers la gauche. On ancre les pieds. On inspire le genou gauche vers le coude. Puis la jambe qui s'étire. Cette fois-ci, peut-être que je dépose pas mon pied gauche. Inspire ici. Expire, pied gauche vers pied droit. Pliez les genoux, servez-vous de ça pour réancrer vos pieds. Prendre de la force et tend la jambe gauche. Décolle, genou droit, tend la jambe, ouvre, rentre le nombril à l'intérieur, essaye d'aligner tes deux fessiers, serre la fesse gauche sous la fesse droite, inspire, expire, pied droit, par-dessus pied gauche, et on fait l'autre côté, allez, inspire, genou droit, coude droit,
Jambes qui s'étirent, le pied qui ne se dépose pas. Falling triangle. Puis pied droit, retrouve pied gauche, plie les genoux, prends la force, l'énergie, suis le courant et décolle la jambe gauche. Presse dans la main droite et tire la jambe gauche vers le ciel. Rentre le nombril à l'intérieur, si tu tombes, c'est pas grave. Pied gauche, rejoins pied droit, plie les deux genoux, inspire une vague qui te mène vers l'avant. Cette fois-ci, chien tête en haut directement. Relâche le bassin vers le sol, la poitrine qui s'ouvre, inspire. Presse dans les mains, plie les coudes. Expire les deux genoux sur le sol en même temps. Les fesses vers les talons, inspire. Arrondis vers l'avant. Expire, presse dans les mains, reviens vers l'arrière. Les deux pieds ensemble. Il nous reste deux dernières phases, je vous avais dit que ça allait durer un peu plus longtemps. Plie les genoux, flotte vers l'avant. Sans un bruit. Relâche la tête, relâche les bras, les pieds écartés, largeur de tes hanches. Inspire, déroule le dos. C'est le même début. Monte les bras vers le ciel. Expire, plonge, caresse tes jambes. Presse dans les talons et tire. Peut-être un peu plus. Tes ischio-jambiers et inspire, replie les genoux. Remonte. Genou droit à la poitrine, cette fois-ci n'entrelace pas les 10 doigts. Expire, étends la jambe. Inspire, lisse les orteils sur le sol, vole. Bras vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Expire, ouvre tes ailes, tes nageoires. Étire-les vers l'arrière et laisse les orteils du pied droit se déposer. Cette fois-ci, pas de genoux sur le sol, inspire. Monte directement les bras vers le ciel. À l'expire, cactus les bras, tends la jambe gauche. Laisse ton cœur te guider vers cette jambe gauche. Inspire, presse dans les mains, très fort. Glisse pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Laisse le genou s'ouvrir. Puis laisse le pied gauche rejoindre le pied droit. Inspire les deux talons qui s'ancrent vers la droite. Suivez-moi bien. On amène directement la jambe droite vers la gauche. Falling triangle, pied décollé. Inspire ici. À l'expire, pied droit, retrouve pied gauche. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va se décoller. Inspire, presse dans le pied droit et dans la main droite. Essaye de les éloigner l'un de l'autre. Décolle le genou gauche. Très lentement, les orteils du pied gauche derrière le genou. Inspire, shoot ton cœur vers l'avant. Tes hanches vers le ciel. White thing. Reste très haut sur les orteils du pied gauche. Inspire, ramène le nombril à l'intérieur. Main gauche à côté de main droite. On retourne sur les orteils dans notre chien tête en bas et l'autre côté. Et c'est un petit peu différent, suivez-moi. Inspire, falling triangle, jambe gauche vers côté droit, pied décollé. Gardez les orteils si c'est possible sur la même ligne que le poignet gauche. Inspire ici. À l'expire, pied gauche rejoint pied droit. Inspire, pied gauche dans la terre. Cette fois-ci, c'est genou gauche, genou droit, pardon, vers le ciel. Tends la jambe si c'est possible. Crochette. Bien, et guide ton pied, cette fois-ci vers l'avant de ton tapis à l'intérieur de la main gauche. Inspire, pyramide pose, étire la colonne vers l'avant. Expire, allonge-toi sur ta jambe. Inspire, genou droit qui se plie, poids du corps sur ce pied droit. Et on décolle la jambe gauche, un T avec le corps. À l'expire, le genou gauche vers le front, plie le genou droit. Prends la force de la terre, remonte, inspire. Genou gauche vers la poitrine, les bras vers le ciel. Expire, on étire la jambe gauche vers l'avant. Et inspire, wouh! Glisse les orteils du pied gauche vers l'arrière, vole les bras en cactus. Je ramène mes nageoires vers l'arrière, je dépose les orteils du pied gauche, inspire. Monte les bras vers le ciel, lunge. Expire, tends cette jambe droite, les bras en cactus, les coudes vers les hanches. Laisse ton cœur. Gravité vers ta jambe. Les deux mains autour du pied droit. Inspire et tire la colonne vers l'avant. À l'expire, presse les mains dans le sol. Inspire, jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Plie le genou. Trouve de la joie dans ce flot. Longue inspire ici. À l'expire, orteil du pied droit avec pied gauche. Et inspire, cette fois-ci, c'est talons
Les deux talons vers la gauche. Inspire, falling triangle. Jambe gauche vers la droite, main droite vers le ciel. Et pied gauche revient vers pied droit. Inspire, pied gauche presse dans la terre. C'est le genou droit qui monte vers le ciel. Ouvre. Dépose les orteils du pied droit derrière le genou gauche. Inspire, shoot ton bassin vers le ciel, ton cœur vers l'avant. Longue, inspire dans ton white thing. Jusque dans ton cœur. À l'expire, rentre le nombril à l'intérieur. Replie les genoux si tu as besoin. Presse très fort dans le pied gauche et ramène main droite à côté de main gauche. Chien tête en bas, inspire l'autre côté. Pied droit qui se décolle. Falling triangle, main gauche vers le ciel. Pied droit décollé. Et inspire, pied droit rejoint pied gauche. Et je décolle le pied gauche. Cette fois-ci, je tends cette jambe gauche si c'est possible pour moi. Je crochète avec index et majeur le gros orteil. Je guide mon pied à l'intérieur de la main droite. Inspire, pyramide pose, nombril à l'intérieur, fesse gauche vers l'arrière, fesse droite vers l'avant, expire, je m'allonge. Inspire, plie genou gauche, glisse les orteils du pied droit vers le pied gauche pour amener du poids sur cette jambe gauche. Inspire, guerrier 3 soutenu. Expire, le genou vers le front, le genou gauche qui se replie. Et inspire cette fois-ci, pied droit à côté de pied gauche. Relâche la tête, relâche les bras. Respire. Bien. Et inspire. Les deux mains autour du pied. Surfe ton pied droit vers l'arrière. Surfe ton pied gauche. Retrouve ton chien tête en bas. Trois respirations ici. La seule chose qui bouge en vous maintenant, c'est votre respiration. Il nous reste une dernière étape. Restez concentrés. Restez dans votre flou. Observez toutes les couches qui se révèlent ici. Au niveau de vos sensations, vos émotions, vos pensées. Laissez tout ça vous traverser. Ne vous y accrochez pas. Bien. Et on est reparti pour un dernier. On inspire, on va ancrer les deux talons vers la droite. On va décoller le pied droit et étirer cette jambe droite vers le côté gauche comme on a fait. Là, c'est comme vous voulez. Soit avec la main gauche, je vais attraper le bord externe de mon pied. Ouais, de mon pied droit, ça fait beaucoup de... Et je peux amener ce pied gauche vers ma main droite. Presse très fort dans la main droite. Longue, inspire, presse dans le bord externe du pied gauche. À l'expire, plie le genou droit, ramène le tibia sur le sol. Un angle de 90 ou de 45 degrés, c'est comme vous préférez, entre cuisse et tibia. Peut-être 45. Pointez le pied, gardez les orteils du pied gauche actifs. Inspire, on étire la colonne vers le ciel. Resserre le genou avant avec le genou arrière. Périnée engagée. Expire, descend. Garde cet engagement. Les deux mains en Anjali Mudra. Et ton troisième œil sur tes pouces. Trie. Écoute ton intuition et trie ce qui est important ici. C'est ce qui se révèle à toi et qui vaut la peine d'être écouté. Laisse ton intuition féminine s'exprimer ici. Relâche ce qui est superflu et plonge un peu plus profondément dans ce qui est intéressant à explorer. Laisse bien les coudes s'écarter sur les côtés, relâche la poitrine. Une dernière longue inspire ici. Une dernière longue expire. Et on inspire. Les mains vont repousser la terre. Je resserre les deux genoux. Périnée engagée, je retourne les orteils du pied gauche. Je presse dans les mains, j'arrondis le dos, le tibia se décolle.
J'inspire la jambe droite, monte vers le ciel, plie genou gauche, fais des petits cercles avec le genou droit, dans un sens, dans l'autre. Ok, les orteils du pied droit rejoignent les orteils du pied gauche, inspire, monte très haut sur les orteils, une vague qui te mène directement dans ton chien, tête en haut, le bassin. Attiré par la terre, le cœur qui s'ouvre entre tes bras. Inspire ici, garde les orteils retournés, presse les talons vers l'arrière, active les cuisses. Hein, ne laisse pas les cuisses descendre vers le sol. Nombril à l'intérieur, inspire. Expire les deux genoux en même temps sur le sol. Plie les coudes, plie les genoux. Ramène le nombril sur le sol, inspire. Ramène les talons vers les fessiers. Garde la poitrine ouverte en même temps. Attrape les bords externes, les chevilles, pardon, par l'extérieur. Inspire, flex les pieds. Ouvre. Trois respirations ici. Ton cœur rayonne vers l'avant. Ton bassin presse dans le sol. Dernière. Elle expire lentement, je relâche, je contrôle le retour. Les mains à côté de la poitrine avant que mon front se dépose. Les orteils qui se réactivent vers l'arrière, les jambes tendues, inspire. Presse dans les mains, les fesses vers les talons. Expire, inspire, une vague, quatre pattes. Expire, vague qui te ramène dans ton chien tête en bas. C'est la dernière partie. Soyez courageux, allez jusqu'au bout. Suivez l'aventure aquatique. Inspire les deux talons vers la gauche. Plie bien les deux genoux. Laisse la main droite se décoller. Inspire, genou gauche. Sur la même ligne que le poignet, j'étire la jambe. Falling triangle. Bien ici, main droite à l'extérieur du pied gauche. Plie genou droit, inspire. Oups, doucement, garde le nombril engagé, ouvre, presse dans le bord externe du pied droit, on peut ouvrir plus, hein. Bien sûr, moi je suis un peu, un petit peu tendue des hanches, inspire ici, à l'expire, garde le pied dans la main, plie le genou gauche, ramène le tibia sur le sol. Si vous êtes à 90, pied gauche flex, si vous êtes à 45 degrés, pointe le pied. Garde les orteils du pied droit engagés, dépose genoux. Inspire, resserre les deux genoux l'un vers l'autre, serre le périnée. Ouvre. À l'expire, descends en gardant cet engagement un peu yang. Paume de main ensemble. Troisième œil sur les pouces. Coude bien écarté sur les côtés, cœur ouvert. Encore une fois, trier. Qu'est-ce que vous a amené cette pratique? Observez pendant cette dernière partie. Acceptez ce qui n'est plus, ce qui est ancien, ce qui ne fait plus partie de vous aujourd'hui. Acceptez les changements qui s'annoncent dans votre pratique, qui n'est jamais la même, comme dans votre vie. Et on inspire, on va venir repousser la terre avec les deux mains, resserrer les deux genoux un peu plus l'un vers l'autre, tourner les orteils du pied droit, presser dans les mains, décoller le tibia, inspire ici, expire, inspire, jambe gauche qui gravite vers le ciel, plie le genou. Fais des petits cercles avec ce genou, vers l'extérieur, vers l'intérieur, jambes tendues, genou plié, sois libre, sois créatif, comme l'eau, n'aie pas de schéma récurrent. Pose les orteils du pied gauche sur le sol, inspire ici. Et expire. Inspire, une vague,
tout pareil, qui te mène dans ton chien tête en haut. Menton vers poitrine, nombril à l'intérieur, puis bassin. Attiré par la terre, poitrine qui s'ouvre vers l'avant. Jambes actives, inspire, presse dans les mains. Étire le sommet du crâne vers le ciel, ne va pas casser la nuque ici. Hein. Expire, les deux genoux en même temps sur le sol et cette fois-ci, je presse dans les mains pour me ramener. Les fesses sur les talons, Balasana. Actif. Garde les fesses légèrement décollées. On a presque fini. Inspire, bras en cactus, nombril à l'intérieur. Fesses attirées par les talons, une vague me ramène à la verticale. Votre camel pose de votre choix, ça peut être les mains. Derrière, les lombaires, on aspire le coccyx. On laisse le cœur s'ouvrir. On pousse le bassin aligné au genou. On pousse le cœur vers le ciel, deux directions, enfin trois, coccyx vers le sol, protéger le bas du dos, bassin vers l'avant, cœur vers ciel. Peut-être que ma main gauche vient trouver mon talon gauche, ma main droite, mon talon droit. Ma nuque reste tonique, mais je laisse la gorge s'ouvrir un petit peu, libérer toutes ces choses qu'on garde ici, bloquées. Continuez de magnétiser les deux cuisses, les deux tibias. Si vous voulez aller plus loin, retournez les orteils, posez les coups de pied, ouvre. À l'expire, main dans le bas du dos. Continuez de soutenir votre sacrum, fesses de Beyoncé, regard vers le ciel. Ouh. Fermez les yeux. Main sur les cuisses, retournez les mains vers le ciel, accueillez tout ce qui vient. C'est votre cœur qui bat. Quelques respirations ici. Sentez-vous connecté à l'eau, sentez tous ces flux qui vous traversent. Il y a des fois, c'est mon Google qui fait des siennes. Laissez les yeux s'ouvrir. Et on inspire, les mains vers l'avant, Balasana. À l'expire, je laisse le dos se dérouler et je vais placer les fesses vers la gauche ou vers la droite, peu importe. Je vais amener les plantes de pied l'une contre l'autre. Je vais me mettre face à vous pour la fin. Bien. Plante de pied l'une contre l'autre. Je vais ramener les talons vers mon pubis. Activer mes fessiers pour laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Sortir mes fesses vers l'arrière. Pareil, fesses de Beyoncé. Fesses vers l'arrière, c'est ce qui parle le plus. C'est pas très gracieux, mais sommet du crâne vers le ciel. On inspire. On étire la colonne. À l'expire, on plonge vers l'avant. Gardez bien les fessiers actifs. Pressez les coudes à l'intérieur de vos cuisses. Essayez d'amener votre cœur le plus loin possible. Pas de dos rond. Si on peut placer les coudes à l'avant des tibias, pressez les coudes contre les tibias pour allonger, faire grandir la colonne vers l'avant. Sur chaque expire, c'est mon cœur qui progresse vers mes pieds, ma respiration comme une rivière qui se déplace dans mon dos. Et inspire, dos droit, expire, je reviens. Laisse les talons s'écarter un peu plus du pubis, forme un diamant cette fois-ci avec les jambes. Glisse si c'est possible les avant-bras sous les tibias. Peu importe si les plantes de pied sont très très collées, on va plutôt prendre une posture un peu yin ici. Donc relâchez, écartez les pieds vers l'avant comme vous le souhaitez. Laissez votre carapace se reformer. On revient au début de notre aventure. On revient vers l'origine, le nombril vers soi. Toujours ce souffle
qui vous caresse dans le dos. Essayez sur chaque expire de venir caresser un peu plus fort votre coccyx, votre sacrum plutôt. Comme si ce sacrum était frappé par des vagues. Sur chaque inspire, l'air monte jusqu'au sommet du crâne. Sur chaque expire, l'air redescend jusque dans le bas du dos et vient frapper avec un peu de douceur quand même le sacrum. Laisse les yeux se fermer ici. Les prochaines inspires, les avant-bras ressortent dessous les mollets. J'attrape mes chevilles par l'intérieur. Menton vers poitrine, nombril engagé. Je vais rouler sur le dos. Ramener les pieds vers le ciel. Dans un happy baby un peu plus doux, les mains accrochent les chevilles par l'intérieur, sacrum toujours dans le sol, un rocher qu'on ne peut pas déloger. Restez ici, les yeux fermés, tête bougée de droite à gauche, venez masser ce sacrum. Cette chose qui, malgré tous les flux, reste là, ancrée. Vous, votre nature profonde, malgré tous les changements. Ramenez les talons vers le pubis. Laissez les genoux se plier, genoux sur le côté. Et on inspire, on ramène les pieds vers le front vers les pieds, plantes de pieds l'une contre l'autre. Sacrum dans le sol, inspire, presse les coudes à l'intérieur des genoux. Elle expire, je relâche complètement. Je laisse mes pieds surfer vers l'arrière du tapis. Mes bras trouver plus d'espace autour de moi. Comme de main tournée vers le ciel. L'intérieur des cuisses complètement relâché. Avec votre respiration, fluidifiez encore un peu plus votre corps pour vous enfoncer dans la terre, comme si vous vouliez revenir à votre état de nappe souterraine. Prenez plus d'espace ici, étalez-vous. On va rester là pour notre Shavasana final. En observant tous ces fluides qui nous parcourent. En profitant de leurs effets.
Prenez une longue inspire. Comme si la rivière voulait ressortir, la nappe souterraine se réveille. Et je réactive mon corps par la respiration, par ce flux incessant qui m'accompagne du début à la fin de ma vie. Ce flux qui me ramène au moment présent. C'est le vous reparcourir, vous ramener vers l'extérieur, réactiver tous vos sens. Bougez les doigts, les orteils, petit cercle fluide avec les poignets, petit cercle fluide avec les chevilles. Tous les gestes que j'ai envie de faire ici. Et puis je vais me tourner sur le côté droit de mon corps, venir dans cette posture du fœtus, garder les yeux clos jusqu'au dernier instant pour savourer. Puis repousser la terre avec la main gauche pour venir me rasseoir dans une posture stable, spacieuse, légère. Ramenez tout simplement les mains au centre du cœur aujourd'hui. Prenez une longue inspire, laissez les mains se décoller, laissez les bras s'ouvrir comme au début. Gonflez la poitrine, regardez vers le ciel, mais les yeux clos. À l'expire, les mains reviennent au centre du cœur. Appréciez le toucher de vos mains l'une contre l'autre. Prenez contact avec vous une dernière fois. Dites-vous un grand merci. Merci à tous. Namasté. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Voilà, une belle journée. Ce soir, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a Aurélie à 18h. Voilà. Pour un vinyasa avec la douce Aurélie. Et puis, je vous retrouve semaine prochaine pour un Hatha Flow. Je ne sais pas trop encore. On verra. Voilà, on verra. Vous aurez la surprise quand j'aurai eu l'inspiration. Merci à tous d'être au rendez-vous. À très bientôt. Merci pour vos petits messages. Et voilà. Bisous, bisous. Au revoir.